Bonjour à tous, ici c'est Big Boss, je vous retrouve pour la huitième partie de ce Let's Play sur Silent Hill 3. Alors la dernière fois on avait battu Leonard, qui s'est révélé être un monstre, qui parlait en plus. Et maintenant on est sorti de l'hôpital de Brookhaven. Et on doit retourner au motel. Vraiment que dalle avec ce brouillard. Oh. J'entends quelque chose, pardon. Ah! Encore ton arrière-grand-père, bon, on sait. Attendez. La prochaine à droite, ce sera l'auberge. Il y a un petit moment, j'avais dit que je ferais des parties de 30 minutes, mais des fois elles dépassent largement les 30. Mais bon, c'est pas grave. C'est parce que des fois le jeu il. Enfin, j'essaie de sauvegarder à des moments clés, là où je suis pas bloqué, et voilà quoi, parce que. Enfin, je sais pas, voilà. Je crois qu'en fait, le cri qui part, qui pousse le chien là, c'est. C'est pour alerter ses potes. Bah, on y est à l'auberge, non? Ah, attendez, faut peut-être passer par ici. Qu'est-ce qu'il y a de marqué là déjà? Tu pues. Oh, ok. Et normalement, il y a un S. Bon, bref. Pas la peine de s'attarder sur ce genre de choses. Surtout que c'est débile. Bah merde alors. Peut-être celle-là? Non. Mais j'y suis. J'y suis à ta putain d'auberge. Ah, c'est la 106. Putain, c'était marqué en gros sur le plan en plus. N'importe quoi. Bref. 102, 103. Rien du tout. 104, ah voilà, c'est de ce côté-là. 105 et 106. Voilà. Where's Douglas? He went out. But he left a message for you. Was there someone else here just now? No, no, just me. Menteur. Don't you want to know what the message is? Liar! Yeah, what did he say? The church is on the other side of the lake. Church? I wonder what he meant by that. You don't understand? That's where Claudia is. Across the lake, on the north side. If you're going, you better go through the amusement park. It's probably the only way in now. Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far, but closer than heaven. Is that it for the message? Uh-huh. Thanks. Douglas really said that? What's wrong? You don't trust me? En même temps, il n'y a pas trop de raison de lui faire confiance à Vincent.
Qu'est-ce que ça dit si on essaie d'y retourner? Ouais, bon, allez. Direction nord-ouest sur Nathan Avenue. Gauche-gauche, tout simplement. Attends, c'est ici la sortie, je crois. Ouais, et ben y a plus qu'à aller tout droit. Vous vous souvenez du parc d'attractions au tout début du jeu? Là où elle a fait un cauchemar? Et ben c'est là qu'on se rend. Attends. Des messages. Bah alors? Bah c'est bon, on y va. On est revenu. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, je croyais que c'était un gras double à gauche, mais non. Dernière fois on était allé. Attendez. Ah, et puis elle a pas la carte évidemment. Mais là encore une fois, je sais plus s'il y a une carte dans ce secteur, je sais plus. On verra bien. Ah, cet écran rouge, il pète les yeux. Oh! On se casse. Ah! Qu'est-ce que... La clé des montagnes russes? Ok. Ah! Encore les abeilles rouillées et Freddy Krueger.
Putain, mais c'est horrible ça, regardez-moi ça. Allô? Ah voilà. Qu'est-ce que... Tiens. Dans le cauchemar, on se faisait renverser par l'attraction. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qui c'est qui a réactivé le machin? On va se faire renverser, c'est ça? Saute! Allez, saute! Voilà. Hired you to find the girl, and you performed serviceably. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Attention, il y a Freddy Krueger derrière toi. What lie? T'es. That Heather was kidnapped from you. But it's true. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived, because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when Alessa, Mother of God, truly awakens... Yeah? What's gonna happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain, no hunger, no sickness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that, no nothing. A paradise? For castrated sheep, maybe. Il est drôle. Sounds pretty boring. I pity you. You still don't understand. Tu l'as, cette pute. Mais qu'est-ce que t'attends pour tirer? You're going to kill me? Is it really so easy for you? I've done it before. Oh. Then I truly do pity you. Réveille-toi. Du secteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, un arbre. Et à la place des feuilles, c'est Freddy Krueger. Super. Tout va bien.
Interdit aux personnes ayant des problèmes cardiaques et aux femmes enceintes. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Super rassurant. Welcome oh. to the Borley Haunted Mansion. We're so glad you came. Please come inside and look around. When you feel you're ready, then go through the door. Help! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Do you hear those voices? A family of four help. Was sliced into help. Bloody pieces in this room. Oh, the cries of the children. The murderer was caught. Do you know why he said he killed his family? Because I felt I had to! Anyway, I'm lying. It's all just a joke. Une blague? I wanted to scare you. T'appelles ça une blague? The truth is, only one person died. By suicide. Oh la putain, vous avez vu le pendu? La vache! C'est quoi qui grince? Oh! Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un zombie. Ah! Oh putain! That's Danny. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? But quite friendly, as you can see. He was so eager to meet you. His hometown is New Orleans, but he came here after first losing his way. Oh, maybe you might know. Where is the path to heaven? C'est un vrai corps pendu là. Ah. Elle sait pas qui c'était, mais il a dit, c'est Danny. This mansion is quite old, so please watch your step. Sometimes the floor suddenly gives way. Il y a des pics au-dessus. And beneath the floor. Oh. I'm so sorry. This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. There's the exit. I hope you enjoyed your tour. Please come back anytime. Or if you'd prefer, we could hein? Come and visit you instead. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah putain, et puis je peux pas sauvegarder. Ah, that was supposed to be the exit. But it seems oh that no one wants c'est quoi ça? To leave. Everyone really likes you. They want you to non, stay vite. With them forever. I have to agree with them. Don't be afraid. Die. J'espère que c'est bon là. Encore? Ah, vite, vite! Ah. Ah.
putain! Mais je vais où, moi? Là-bas? Ah, les sabots rouillés, merde! C'est flippant tout ça. Difficile à croire que cet endroit était plein avant. Aussi plein que Gérard Depardieu, ouais. Raison, on s'en branle. Mais qu'est-ce qu'il y a à récupérer ici? Il y a bien quelque chose? Oh, attendez. Si on montait... Hein? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Une chaussure rouge. Ouais? Qu'est-ce que je fasse avec ça? Ah! Putain! Ah, on est revenu là, merde! Ah! Quelque chose, c'est... Ah! Ah! C'est bien ce qui me semblait. J'avais loupé ça. Ça. Il va y avoir encore ces monstres de merde qui vont me faire chier, là. Bon, ma santé, pour le moment, ça va. Bon, continuons. Je croyais qu'il y avait des monstres ici. Il n'y a plus de monstres. Tout ça, mais il faut faire marcher le truc maintenant. Oh, il y a des balles. Bon bah allez, c'est parti. Prêt pour un petit tour d'attraction. Bon, on s'en fout qu'il est cassé, de toute façon on va pouvoir continuer. Douglas. You're late. Are you hurt? I can't move my right leg. It's broken. Qu'est-ce qui s'est passé? I'll call an ambulance. What? I don't think we'll come. Il a visé Claudia, il a la jambe droite pétée? Don't worry. I'm used to it. Comment ça se fait? You old fool! Getting yourself hurt like that? Sorry. Why did you have to do that for me? What'll I do if you die? What'll we do if this god thing gets born? Come on. How powerful could a god from a dump like this be?
sure it'll be no big deal. But anyway, something's gonna happen. Who knows? Maybe we'd all be better off if it did. But if this is how I got a mercy axe, I don't want to see any more of him. That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? Plus, I'm just an old fool, right? You think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Je préfère Captain America. Yeah. I want to help you out. You don't have to feel responsible. I know it's not your fault. You remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid got himself shot robbing his bank. Huh? But why? Maybe because his pop was a penniless good-for-nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Son fils, c'était le voleur ou c'était une victime? Sorry. Le voleur, j'imagine. I shouldn't have said you reminded me of a guy like you. Well, maybe if you had compared me to your daughter. Listen. I'll take care of the rest. You stay here and I'll be back when it's over. I'll be back. I'll be back. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. Besides, my dad's not around anymore. So only I can do this. Qu'est-ce que tu fais, Douglas? What are you doing? T'as un œil dans le dos ou quoi? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Si tu le dis. Yeah, you might be right. Make sure you were still alive. Sorry. I'd come with you if I wasn't hurt. Tu veux plus la tuer? Well, I guess that's the problem with older guys, huh? I'll handle things. You just rest. Ça fait quoi si on essaye de le voir une troisième fois? La même chose. Bon. Non, c'est pas par ici, je crois. C'est par là ou c'est par là-bas que je venais? Je crois que c'est par là-bas. On peut pas monter là? Bah non, il y a Douglas. Putain, on dirait. Attends, je vais essayer de zoomer là, mais. On dirait qu'il y a quelqu'un en dessous là. Bref, peu importe.
Ah, mais c'est là d'où je viens, merde. Sans la carte, forcément. Hein? Bizarre cet endroit. Hein? Une tête de poupée? Diseuse de bonne aventure. Quelle arnaque! Non, là c'est d'où je viens, je crois. J'ai une chaussure rouge, j'ai une tête de poupée. Des champignons. Hallucinogène? J'en sais rien. Oh! Ah, c'est des statues. C'est une poupée de Blanche-Neige. C'est une poupée de Cendrillon. Ah, attendez! Attendez. Là, je suis sur Cendrillon. Et là, c'est Blanche-Neige. J'imagine que c'est ça. Il y a des photos par terre. Des photos de poupées. Cendrillon à gauche et Blanche-Neige à droite, mais il y a quelque chose qui cloche. Ah, il y a tout qui cloche dans ce jeu. C'est le dragon qui garde le coffre, les coffres au trésor. C'est qu'un décor, rien d'effrayant. Attendez, je vais essayer de zoomer là pour qu'on voit la tête. Putain, on peut pas voir la tête. Bref, c'est pas grave. Ah! Hé! Tiens pas ça! Arrêtez-moi! C'est Dahlia qui l'a dit, que la fille était un démon, qu'elle a pris ma fille pour un sacrifice. Mais c'est difficile à croire, les apparences sont parfois trompeuses. Quand j'ai vu cette photo dans le sous-sol de l'hôpital, je me suis dit, on dirait Cheryl. C'est pour ça que je me sens bizarre. Il y a quelque chose de tordu. Rien de bon n'en sortira. Je n'arrive tout de même pas à la voir en démon. C'est mon imagination, ou elle me fait de la peine. D'où me vient cette impression qu'elle appelle au secours? Putain, puis on entend le bruit de la on entend le bruit de l'abeille rouillée en fond là, c'est désagréable. C'est Cheryl qui m'apporte. Le reste attendra qu'elle soit revenue. Il y a une date et une signature à la fin. Ah, c'est quoi cette musique bizarre? C'est là d'où on vient, je crois. Ah, pas vous, non! Ah non, c'est pas d'où on vient, c'est... C'est pas où il faut... Hé, hey, casse-toi, toi, fils de pute! Oh la vache, putain, on a eu chaud. Vous avez vu ça? Pile quand j'ai passé la... Il y a quelque chose ici? Ah oui. Très bien. Oh putain. Oh, ça je m'en souviens. Elle est prête pour un petit tour de manège. Ah putain, les chevaux ils seront transpercés de la tête au dos. Le cheval est vivant. Enfin, vivant n'est pas vraiment le mot qui convient. Ni en poil. Ouais, bon, ok.
Cette partie est très simple. Il faut tuer tous les chevaux et ne pas se faire toucher par la vapeur toxique qui sort de leur bouche. Hey ! Voilà, très bien. C'est pas un bug, hein, c'est moi qui l'a fait twerker. C'est débile. Cette partie-là est très simple, hein, comme vous l'avez vu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est faut juste pas se placer devant leur bouche quand ils crachent de la vapeur. Mais par contre, la deuxième partie, vous verrez, ce sera pas aussi simple. Ça donne le tournis, dis donc. Vous verrez pourquoi je sauvegarde. Bah, je crois qu'ils sont tous morts. Bah, ils rebougent maintenant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme les textures du mur dans l'hôpital de Brookhaven dans le monde parallèle. Oh! Il y a un tremblement de terre, c'est Gradoub qui arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une éruption volcanique! Ah putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon doudou à gauche. C'est Alessa. Son double maléfique. Avec des textures modifiées, bien entendu. Et c'est parti pour un combat contre le boss. Connasse. Elle part mes coups, la salope. Ah, faut attendre qu'elle me donne un coup. Enfin, qu'elle tente de me donner un coup, la salope. Je pense pas que le beef jerky fonctionnerait sur elle. Ah, regardez comment il bouge la tête, c'est effrayant. Oh mon doudou d'amour. Oh mon bébé. Oh mon petit bébé d'amour. Salope. Regardez comment il bouge la tête, ça me fait penser cette scène dans l'échelle de Jacob. Oh, elle a une mitraillette. Ah non, c'est un simple flingue. Ah.
Mais putain, reviens ici, salope! Pourquoi tu tournes en rond? Salope! Tu vas me le payer, connasse! Putain, je vois rien! Hey! Hey, merde, mon énergie! Oh putain! Encore un coup, j'étais mort! Putain de merde! Ok, il y a une photo de Paul Walker au-dessus de mon petit bébé. Tout est normal, ou pas? Salope! Reviens ici! Pourquoi t'as une bite dessinée derrière le dos, bon sang? Putain, regardez ça! On peut dire qu'elle a une tête de bite. Putain. Bref. Voilà une mitraillette. Ah cool, le temps qu'elle recharge, ça me laisse le temps de la voir. Reviens ici, salope. Hey! Tu m'échapperas pas, putain. Oh la salope. Mon énergie, ça va pour le moment. Bah, je crois qu'elle est morte. Avec sa bite dans le dos, là. Ça serait mieux pour moi, entre guillemets, de mourir. Après tout, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Cet enfant, ce démon. Quand je pense à la douleur incessante que sa naissance va entraîner, j'ai décidé que plutôt que d'endurer la souffrance et la cruauté dans cette infirmerie, j'allais m'octroyer à « moi-même » entre guillemets une mort plus douce. Pourquoi « je » entre guillemets résiste? J'aurais jamais cru être aussi idiote. Allez ça. Ça me fait bizarre de t'appeler ainsi, puisque tu es moi. Mais après tout, toi entre guillemets et moi, on est différentes. Et ce n'est pas que je me souviens pas de cette infirmerie. Ok. Bon, bah là on a déjà dépassé les 30 minutes, hein, comme ces dernières parties. Donc avant d'entrer dans l'église, je vais sauvegarder. Je finis donc cette huitième partie de ce Let's Play sur Silent Hill 3. Et je vous dis à très bientôt pour la neuvième. Allez, salut!